bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Et évidemment, comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. Mettez en 4K 60 FPS, en tout cas la meilleure qualité que supporte votre ordinateur ou votre télé, peu importe. Et surtout, kiffez. Qui font tous ensemble. Évidemment, si vous perdez quelques secondes à chaque fois pour mettre un petit like, un petit commentaire et partager, ça fait toujours plaisir, hein, on va pas se mentir. Vous connaissez YouTube et son référencement atroce qui oblige à être chiant, en fait, et à toujours clémenter. Mais voilà, merci du fond du cœur à ceux qui prennent le temps. Et on est parti tous ensemble. Hein. Souvenez-vous, on s'est arrêté sur une fin d'épisode 6 incroyable, monumentale, avec une petite partition d'Ellie qui était juste superbe. Et on continue d'explorer donc notre ville avec des petits camps, des petits trucs très sympas qu'on a vus. Et d'ailleurs, de l'autre côté, on a une sorte de garage, il y a une clé à molette. Donc peut-être qu'on va y trouver quelque chose de très sympa. Et on ne peut pas passer par là, c'est bien dommage, donc on va faire tout le tour. Quoi qu'il arrive, ce jeu est phénoménal, quel plaisir. Quel plaisir d'être dessus. Hop, petite cascade et de revenir dessus. D'accord. Je vois. Le mécano est juste de l'autre côté. On peut pas y aller en cheval. Peut-être pas bon signe. Où est-ce que tu vas ? Il y a un truc au fond. Peut-être pas bon signe toutes ces conneries. Ah. Utilisez le code de la porte. Très bien. Très très bien. Ok, ça peut ne pas être un problème, on a le code de la porte, donc bougez pas, cascade. Il faut juste que j'aille voir de l'autre côté. Attends, est-ce que je peux voir ici? Non, c'est écrit peut-être. Sur un malentendu, on sait jamais. Non, il faut que je ressorte. Qu'est-ce qu'on a? C'était... porte ouest 2. Porte ouest 2, on y retourne. C'est parti. Bon, porte ouest 2, régale-moi. Clé, non, note sur les réserves peut-être, non? Non, c'était pas ça, hein. non, c'était pas ça. Les codes, très bien, on est bien. Bon, porte ouest 2, 04, 51, superbe. Allez, un coffre d'ouvert, c'est vraiment stylé la manière dont ils ont tourné cet open world, clairement. 04, 51, me semble-t-il, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, 04. 51. Oh, régale-moi. Ça a marché. Bien sûr que ça marche, t'inquiète pas, ici on sait tout. Hop, une nouvelle carte de héros. On a récupéré pas mal des de soins. Trucs. Pilule, 20 pilules, c'est insane. Et une carte en plutôt bon état pour le coup. Première carte. Comment ça, première carte? C'est Flo. Bonjour Flo. Identité Olga Kuznetsova. Ça, c'est non russe. Diplômée avec mention d'une université de sciences et technologies reconnue, Olga est recrutée par le gouvernement russe pour mener des recherches sur l'énergie noire. Craignant que sa technologie ne soit employée pour la guerre, Olga tente de saboter ses expériences, mais sa conscience se retrouve mêlée à de la vapeur d'eau. Elle devient alors capable de projeter son âme dans n'importe quel volume d'eau et de créer des objets à queue. Tant qu'il y a de l'humidité dans l'air, et c'est une héroïne neutre, voilà, c'est pas une héroïne engagée, tu vois, elle est juste neutre, elle est tranquille, elle cherche pas l'embrouille, mais si t'as besoin d'elle, c'est la sœurette, tu vois ce que je veux dire, t'as soif, hop, elle est là, elle fait apparaître des effets dans l'eau, c'est incroyable, c'est fait, une bonne chose de faite, ok, alors comment je vais me retrouver de l'autre côté, moi, de Madison Street, si je puis me permettre de parler un petit peu anglais, je vois pas du tout, allez, monte. Camtar UPS, ça me rappelle de très mauvais souvenirs de livraison. Heureusement que c'est la fin des temps. Comment je peux aller de l'autre côté? Excusez-moi, je prends des murs. Laissez-moi me concentrer, on va pas focus. Peut-être par là? Faisable, t'en penses quoi, Paillette? Il y a quelque chose en tout cas. Ok, on descend. On descend. Et on va fouiller ça tranquillement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a quelque chose, mais c'est pas ça. Mais là, on est déjà venu ici. Ben ouais, putain. C'est pas là. Par contre, je savais pas qu'il y avait une sortie ou une entrée. Ça dépend comment tu vois la chose. Mais pour moi, pour le coup, c'est une sortie. On peut pas aller de l'autre côté. Tu sais où il faut aller? Je crois qu'on devrait aller là-bas.
coup. Ah mais non, mais je veux pas aller là-bas. Ça, c'est le Capitole. Je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est le dôme. On va aller au tribunal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ah, quoique. Attendez. Attendez. Hé. Hey. Ah non, ça ressemble bien à un dôme, ce truc au sommet du bâtiment là. Attendez. Ouais, hop. T'as raison. Oui, c'est là où il y a l'essence, mais ça m'intéresse pas. C'est bon, c'est sur la carte. Ça m'intéresse pas, j'ai beaucoup d'autres points d'interrogation à faire avant, s'il vous plaît. Bon, on va faire le tribunal. Je vois pas comment... Ah, peut-être tout au fond à gauche. Ça peut être aussi intéressant à exploiter. Très bien. Est-ce... Non, y a rien, on peut pas aller à gauche. Très bien. On va devoir passer par le dôme. Je pense qu'en fait, c'est une carte fragmentée. Va falloir avancer un peu dans le scénario pour débloquer les autres fragments de cartes, entre guillemets. Quoique, il y a un combo aussi derrière. Donc, tous les points d'interrogation qu'on a à l'heure actuelle, c'est ce qu'on doit faire. Payette, est-ce que tu peux monter ces marches-là? Ça va, ça t'embête pas trop? Allez, attends-moi ici. Je vais pas trop t'en demander non plus, n'abusons pas. Des bonnes choses! Direction le tribunal. Et on va passer par la grande porte, s'il vous plaît. Quelqu'un veut me juger, peut-être? Ah, quoique, on ne peut pas passer par la grande porte. Donc, on va passer par le côté, s'il vous plaît. On va passer par ici, même. Hop. On sort le bloc. On sait jamais sur un malentendu. On peut partir en cacahuète. Oh, mais quel enfer. Bon. Eh ben, on retourne voir Payette. Est-ce que Payette est restée sur place? Non. Si, très bien. Allez, on y va. Payette. Forcément un truc à faire dans le tribunal. Je vois pas comment y rentrer dans l'instant présent. On va essayer de faire... Donc ici, c'est mort, ok? Il y a là-haut. On va essayer de faire le tour tranquillement. Il y a aussi le souterrain du tribunal. Il y a le convoi. Je veux tout faire, hein. Je suis désolé. Je veux vraiment tout explorer. Je veux vraiment prendre mon temps, kiffer. Ok, c'est de là où on vient. Kiffer un maximum. Comment on peut rentrer dans ce tri-tri, comme j'aime si bien l'appeler. Là, on a une sorte de poste de... Ok, on a quelque chose. Très bien. J'ai compris. Ne bouge pas. On va passer par ici. T'as entendu? J'ai entendu. Désinfecté. Ah, j'aime pas ça. Les aveugles. C'est les aveugles, mais pas sourds. Donc, il ou elle, il, monsieur, madame, elle, je dirais, non, je sais pas, monsieur, peut-être, fait le tour de la table, je dirais monsieur. Oh putain, le salaud! Je croyais qu'il avait un pattern bien connu dans la street, tu vois, mais que nenni. Lui, par contre, il n'est pas aveugle. Ok. Très bien. Bon, on va vider ce tribunal, hein. Il est temps de juger, les amis. Il est temps de juger. Ce soir, je serai votre bourreau. Enchanté. Moi, c'est Ellie. Désolé, madame. Hop, monsieur, madame, peu importe, désolé. Oh. En même temps, là, je suis désolé, ça c'était un coup de Trafalgar, hein, ce qui vient de se passer là. Hein. C'était un coup de Trafalgar, on a quelque chose ici. 1, 2, très bien.
très très bien. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là, il m'avait entendu hein, alors que j'étais accroupi hein. Donc faut vraiment gérer avec le stick. C'est terrible. Terrible, vous entendez? Je suis désolé, dans ces phases-là, je ne parle pas. Je suis très concentré pour vous proposer le gameplay le plus fluide possible. Sans trop de problèmes. Très bien. Bon. On a des cadavres un petit peu partout. Rien à choper ici. On est reparti. Un. Je crois qu'ils sont deux. Ok. Très bien. Bon, désolé, je me suis fait griller. Et ça, c'est chiant. Mince. C'est bon. Je pensais que c'était un claqueur. Je crois bien. Bravo. Allons trouver de l'essence maintenant. Ouais. Bon. Tribunal. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Vidé. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait l'épreuve. Eh, tu m'aides? J'arrive. Il peut y avoir quelque chose de très intéressant à l'étage. Dites voir. Ah, on est enfermé par contre, et ça c'est très embêtant. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Oh, c'est magnifique, chaque plan, effet de lumière et tout. Incroyable. Alors, qu'avons-nous là? Ah, bougez pas. Je sais comment régler ce problème. À la tienne, Étienne. Ok, on est reparti. On peut réinitialiser le stuff. On s'en est très bien sorti. J'espère que vous êtes fiers de moi. Mesdames et messieurs, on allume la lumière, Zabardi. On va fouiller par ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ah putain, l'entrée métro. Très bien. Très très bien, mais très très chiant. Il s'est passé des trucs moches ici. Ok, ok, ok. Qu'avons-nous là? Parking. On y trouvera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Il devait y avoir quoi dans le dôme alors? De l'essence aussi? Oh, quoi? Oh non, tu déconnes. Tu déconnes, faut secouer la manette de temps en temps. Mais c'est terrible. Ok, qu'avons-nous là? Entre deux côtes. Benny, le WLF va gagner. La ville va bientôt tomber et si tu ne quittes pas la Freda, je ne pourrai pas te protéger. Jusqu'à récemment, je pouvais comprendre que tu restes avec eux. Mais après le massacre du marché, je ne vois pas comment vous pouvez encore nous qualifier d'assassins aveugles. Ces personnes essayaient simplement de nourrir leur famille. Et aujourd'hui, vous commencez à exclure des gens pour rébellion? C'est les condamner à mort. Écoute, il n'est pas trop tard. Je me porterai garante pour toi. Retrouve-moi au Ruston à 2h vendredi. Viens seul, je t'en prie. Je sais que ça fait peur, mais c'est la seule façon. Ton amie Sandra. C'était mérité, je suppose. Tiens, tiens, tiens. On a quoi là-haut, attendez. On a quoi? Mais on a rien. On a strictement rien du tout. Y a rien à faire, peut-être dans le coin là-haut. Faut vraiment penser à explorer tout. On sait jamais sur un malentendu. On a le signe de la justice, évidemment. Je suppose que... 10 contre 1, c'est fermé? Voilà. Allez, ça dégage. Quand tu vois comme ça, c'est évident. Ok, on est bon. Hop, un bouquin. Les manuels d'entraînement vous donnent accès à de nouvelles branches d'amélioration. C'est génial. Un guide de survie pour la majorité silencieuse.
très bien. C'est un très beau livre. Hein. Nouvelle branche. On va étudier ça. Ok. Confection d'amélioration d'armes de corps à corps améliore votre arme de corps à corps en restaurant sa durabilité, en augmentant sa puissance. Ouais. C'est... Donc un troisième arbre est apparu et je suppose qu'il y en aura encore d'autres. Il faut juste y trouver les manuels. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça peut être d'après vous ici, le code? Ok. Trois chiffres. Très bien. On va voir ça un tout petit peu plus tard. Ah bah tiens, je l'ai. Je l'ai. 86 07 22. Qu'avons-nous là? Les personnes suivantes sont... C'est les cibles prioritaires de toute un opération. Vieux pense-bête. Antiterroriste. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas Joël. Rappel, tous les objets confisqués aux prévenus doivent être entreposés dans le coffre. 86 07 22. C'est dommage qu'ils aient mis un rappel, il fallait juste le laisser ici. 86 07 22. Oh. Ça peut être utile. Ça, c'est une très belle machette, ça. Et il a fait tomber un bout de papier par la même occasion. Trop de choses à lire, c'est incroyable. Trop de choses à lire. Bon! Ça dit quoi? Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Oh, ils se sont fait surprendre par le WLF et essayer de s'enfuir. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de conneries. Ok, Jesse. Malgré tous nos efforts, le groupe terroriste se faisait appeler le Front de Libération. Va s'emparer de la zone de quarantaine de Seattle. Nous avons sous-estimé ses capacités et perdu des points stratégiques autour de la ville. Nous avons mis en œuvre le plan d'urgence et nous préparons à escorter le personnel de premier plan hors de la zone dans les prochaines 24 heures. Je resterai jusqu'à ce que le dernier officier soit évacué. Mon dossier montre que j'ai tout fait pour cette ville et ses habitants. Ils sont désormais débarrassés de nous et à la merci du WLF. À eux de nourrir et d'abriter une communauté de plusieurs milliers de personnes. À eux de gérer les dissensions dans leur rang. À eux d'affronter les fanatiques religieux. Un jour, eux aussi se verront reprocher leurs erreurs de jugement. J'aimerais être là pour voir ça. Eh ben, désolé, dans cet épisode, j'ai pas mal de mal à lire. J'ai du mal à lire. Voilà, là, c'est la galère, il commence à se faire tard, je vous avoue. Hop, on va ouvrir ça. Mais bien sûr, mais ça, on se régale. Bon, pour l'instant, par contre, 86 07 22. Pour l'instant, il n'y a pas d'essence dans ce parking, donc je piche pas le truc. 86 07 22, allez, go. 86 07 22. Let's go. Et là, un bidon d'essence. Voilà, ça n'aurait pas eu de sens. Oh putain, elle m'a fait peur. Ok. Mais alors, où est le parking, en fait? Je piche pas. Il y a un truc que je comprends pas, là. L'ascenseur mènerait où? Au parking? C'est pas possible. Bon. Ça paraissait évident. Mais qui ne tente rien à rien. Sur un malentendu, ça peut le faire. Ah, je suis déjà venu ici. Ok. Et il y a tout à refaire, évidemment. Et ben ça, c'est embêtant. Bon, premier sous-sol et parking, nous y voici. On y va? Non, pas vraiment, hein, parce que quand j'ai voulu y aller, je suis mort dans d'atroces souffrances. Ah. Oh. C'est une... Attention. Corde, mais c'est incroyable. Oh merde. Je suis un boubours. Oh là là, ça va swinguer. Vous avez vu les infectés qu'il y avait en haut, hein? Bah imaginez en bas. Ah,
Ah ouais. Bon, par contre, on va peut-être pouvoir sortir par le... Merde! Ok, ça c'est fait. Allez, ça c'est fait aussi. C'est pas vrai! Foutez-nous la paix, hein! Oh, bordel. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ces types de l'Ephedra n'ont même pas pu sortir du parking. Bordel. On n'a plus qu'à trouver l'essence. Bon! Ceci est très embêtant! On va pas regrimper par là. Oh la vache, ouais, j'ai perdu un tout petit peu de vie, en vrai, it's ok de ouf. Par contre, j'ai plus des balles de l'arme de Ruel. Chaque balle a été tirée avec le cœur. On va aller fouiller là-haut. Oh putain, est-ce que ce serait pas le bidon d'essence, bien sûr. Que si, nickel. Voilà l'essence. Oh, c'est pas vrai. C'est vide. T'es sérieuse? Le réservoir est géant? Non, y a plus rien. Bon, reste toujours le dôme. Ah! Et maintenant, on comment fait... on fait pour sortir d'ici? On a fait ça pour un jeu. Et ben on va sortir Dina. Par là, ma grande. J'arrive. Allez, go. Ok, on lâche. Bien joué, Dina. Merci. Bon, tu peux rayer le tribunal de la liste. Allons chercher ce dôme. Aïe, 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 aïe. On va trouver plus de matériel avant de continuer. Elle a raison. Elle a raison, on va vraiment maintenant... faire tous les points d'interrogation. Il y en a un tout en bas, il y en a un tout en haut. Donc, let's go. Franchement, on peut encore se gaver avant le prochain épisode. Au moins ici, on récupère l'essence. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Alors, elle se réveillait parfois en pleine nuit en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêts à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. C'est bien d'avoir un vrai chez-soi, non? Ouais. Quand je suis arrivée pour la première fois à Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine à me gaver. Je me remplissais les poches de nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais, je t'ai vu. C'est pas vrai. Si, si, je te jure. Je me suis même demandé qui était cette personne. Oh. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement? Il se cachait, peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. Et ben on a quand même des petits trucs, regardez-moi ça, une petite note très sympa et beaucoup de stuff. Tout est en place, nous vous attendrons. Une fois le convoi arrêté, les officiers de la Freda capturés, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers la cause est appréciée, Isaac. Très bien. Hop, on prend, c'est tout ? Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais pas à un lance-roquette, mais bon, en vrai, pourquoi pas. Bon, bah, c'est fini. Hop, ça s'est fouillé. Et
il nous reste quoi? Il nous reste un point d'interrogation tout en bas. Il reste encore beaucoup de choses à explorer, donc on va y aller. C'est pas terminé, il nous reste un peu de temps de vidéo. Regardez-moi comme c'est beau, Sugoi. Allez, let's go. Un peu d'eau pour le cheval, ça fera pas de mal. On va passer par où? On passe par en haut ou en bas? En bas, on... Allez, on va passer par ici. On va passer sous le pont tranquillou. Ça me paraît pas mal. Là, quoi? On a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Payette? Oh, t'es sérieuse? Oh, non. Ellie, je crois qu'il va falloir s'arrêter. Oh, t'es sûre? Je crois bien. J'en suis même sûre à 100%. J'ai créé un monstre. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Caca? C'est ça? Ok, on y est bientôt. On est bientôt dans ce point d'interrogation. Ah, bah c'est là. Regarde l'enseigne. Je crois qu'on a trouvé la banque. Tu veux y jeter un coup d'œil? Comme tu veux. Allez. Qu'est-ce que t'as besoin de faire, Payette? Bon! Comment on rentre là-dedans? De toute évidence, pas par là. Et par ici. Et on a une brique. Donc il va y avoir des méchants. Et des méchants, c'est pas gentil. J'aime le risque. Mais c'est pas un peu trop dangereux, ça? Détends-toi. C'est sûrement comme ça depuis longtemps. Ça va pas s'écrouler maintenant. Enfin, je crois. Je le sens pas. Ouais, je le sens pas non plus, je t'avoue. Ah. On se tire d'ici. Et protéger les barbales. Je suis dans la merde. Putain. Hop. Non, non, s'il te plaît. Ah non! C'est ma faute. J'ai chié dans les touches, vous m'avez vu. C'est totalement de ma faute, excusez-moi. Zerbardi. Ouais, mais le problème, c'est qu'un coup, ils sont... Un coup, on a des clackers. Un coup, on a des gens qui voient. C'est pas vrai. Ok, let's go! Voilà! Dégage! Voilà! C'est fini! Et j'ai plus de machette! C'est très embêtant! Bon, le coup de la Molotov, c'était quand même incroyable. Okay. On refera ça. On les a tous eus. Sérieux? Bon, clairement, on refera ça. On a trouvé ça. La banque. C'est quoi ces gilets pare-balles? On dirait pas des soldats. Ouais. Je sais pas. Et le pire, c'est qu'il m'avait même pas grillé. Mais là, je suis encore en phase. On est vraiment en début de jeu. Donc, je suis encore en phase. J'essaye des trucs. Et en fait, la Molotov m'a pas grillé. Donc, j'ai paniqué un peu pour rien. J'aurais même pas dû tirer. Ils étaient juste attirés par le feu. It's ok. De ouf. Mais voilà, je suis en phase de test. Je préfère prendre mes précautions et peut-être ne pas mourir inutilement 2 à 3 fois d'affilée. Bon... Ça devient embêtant par contre, niveau... Vous aurez compris que les claqueurs se tuent du premier coup, hein. Ok, on a quelque chose ici. On a un sac. Très bien, ça. Ah! Très très bien. Coffre 60. Je crois que ces types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. Oh merde! C'est comme dans ce film. Lequel? Oh, celui avec les cambrioleurs qui faisaient du surf. Oh oui! J'adore ce film. N, porte principale, K. Très bien. Ça me paraît complexe juste pour un...
60-23-06. Bon, on verra, on verra. Peut-être qu'on a le coffre ici, hein, finalement. 60-23-06. Est-ce qu'on a des petits trucs très sympas ici, sur un malentendu? Déjà, je vais pouvoir crafter des trucs vraiment cool. 60-23-06. On se 60-23-06. Je sais pas du tout ce qu'on va y trouver. J'ai vraiment hâte de savoir. Et finir sur une note 23 très positive, ça serait vraiment cool. 06. Et voilà. Hein ? Ok. Il y a grandement moyen qu'on se gabe. Bah ouais, c'est là où il parlait d'armes. Un fusil à pompe, Sherlock. GG. Qu'est-ce qu'on... Oh, on finit bien cet épisode, hein. Je vous le dis. On finit extrêmement bien cet épisode. On a quelque chose ici, peut-être. Ok. T'as vu tous ces billets? Le sac en est rempli. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde, pouf, on serait riche. Cool. Oh, des barres. Sic parvis magna. Ça vous dit rien? Uncharted. Uncharted, les amis. Nathan Drake. Non? Ça vous va? Ça vous revient, là? Oh, c'est génial. C'est génial. On a une petite lettre. Allez. Fais chier! J'étais même pas censé être là! C'est à cause de ce connard de Neil. Il m'avait dit que les flics seraient trop occupés à courser les contaminés, que c'était du tout cuit. Mais bien sûr, ces saloperies se sont pointées et c'est parti en couille. J'en ai viré un qui s'en prenait à Kyle. Et je me fais mâchouiller le bras. Et après ça, mes propres gars m'ont enfermé là-dedans. Les flics vont pas tarder à débarquer. Si je plonge, alors mes potes plongeront avec moi. Je dirais aux journaux et à la télé que Kyle Peters, Leon Travis et Neil Grant sont des fils de pute. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Bon. Bah écoutez, attendez, tiens. D'accord, c'est la carabine. Bon, on va garder le pompe. On va essayer un peu le pompe, voir ce que ça donne. C'est super. On commence à avoir beaucoup d'armes, beaucoup de plaisir. C'est génial. C'est génial. Bah, on peut partir. Oh non. Et d'où tu viens? Fais chier. J'ai utilisé trop de balles. Tant pis. Allez, on s'en va. C'est fait, c'est fouillé. Je voulais pas utiliser le pompe. Oh non, j'ai un bug. Attends. Ouais, bah ouais, elle est en train d'écrire dans le livre. Allez, c'est totalement fait. Tribunal, validé. On se casse. Eh bien, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. N'oubliez pas. Si tu vivais dans l'ancien monde, t'achèterais quoi avec tout cet argent? J'en sais rien. Peut-être une grande ferme. Tu peux déjà en acheter une, non? Ouais. Et toi, t'achèterais quoi? Une navette spatiale. Ouais, c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Hey, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. On avait des trucs ici. Bon, on a trouvé un fusil à pompe, alors ça valait le coup. Super, direction le dôme maintenant. Eh bien, à tout prix qu'on aille au dôme, hein. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. C'est-à-dire demain avec l'épisode 8. Prenez soin de vous.
prenez soin des autres. Bisous tout le monde et regardez ce wallpaper incroyable. À demain tout le monde. Ciao, ciao.